Bonjour, une autre fois avec cette nouvelle histoire qui est très connue, le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Voilà, le corbeau, c'est celui-là, et celui-là, c'est le renard. Voilà, je vais vous lire cette histoire. C'est pas seulement lire pour lire, mais lire pour comprendre. Donc, vous devez avoir un dictionnaire à côté de vous. Si vous ne comprenez pas un mot, prenez le dictionnaire et essayez de l'expliquer. Un renard voit un corbeau noir descendre d'un arbre et prendre un morceau de fromage sur terre par son bec. Le renard regretta sa chance de n'avoir pas vu le fromage le premier. Le renard rusé apparaît devant le corbeau et lui dit: J'ai envie d'entendre votre charmante voix. Vous êtes un grand chanteur. Un jour, le renard voit un petit lapin étourdi avec sa mère. La mère lui avertit des renards en lui disant: Sois prudent, mon cher des renards, ce sont des animaux rusés. Un jour, le lapin, oubliant les conseils de sa mère, sort de chez lui pour jouer dans la forêt. En ce moment, le renard était planqué derrière un arbre et surveillait le lapin. Et quand ce dernier s'approcha, le renard se précipita sur lui. Mais le lapin lui échappa et entra dans le terrier le plus proche. Le renard, qui n'a pas supporté sa défaite, commença à réfléchir à une nouvelle manière pour attraper le lapin. Il fabriqua un lapin à partir de la glu épaisse des arbres et le mit à l'entrée du terrier. Quand le lapin sortit du terrier, il fut surpris par le lapin de glu et essaya de lui parler, mais cette poupée ne lui répondait point. Le lapin toucha la poupée et ses pattes se collèrent à la glu. Le renard, le sourire au visage, l'attrapa et lui dit: Enfin, je te tiens et je vais te manger. Le lapin, d'une manière ruse, dit au renard: Tu as gagné, monsieur le renard. Fais de moi ce que tu veux, mais je t'en supplie ne me jette pas sur les épines. Le renard tomba dans le piège. Il lâcha le lapin sur les épines. Le lapin s'enfuit à toutes jambes. Le renard essaya de le rattraper, mais en vain. En rentrant, le lapin raconta tout ce qui s'était passé à sa mère. Elle lui reprocha de ne pas avoir écouté ses conseils. Mais elle était fière de son intelligence et sa victoire. Depuis ce jour, elle obéit aux ordres de sa mère. Donc, cette histoire que tu as appris à qui fait son père ou le dîner, bien sûr. Alors, maintenant, quand tu as tout le hila, parce que ça t'a aidé à apprendre. Mais, ma chère, d'aimer, on va discuter un peu de force à un peu de hila d'aimer. ولهذا أوصيكم بطاعة الوالدين وإلى اللقاء.